personnes qui nous contactent à Senga, par exemple, juste pour faire relire leur manuscrit. Juste pour faire relire leur manuscrit. Elles ne veulent pas encore le publier. Elles veulent juste que le manuscrit soit relu, révisé, corrigé. Ça, c'est le travail du rélecteur. Ça, ça facture carrément à côté. Et ça peut permettre à une personne qui a donc ces compétences-là de gagner de l'argent toujours à travers sa connaissance des langues, toujours à travers ses capacités de rédaction. Un des services également que Senga offre, Senga Édition, c'est la transcription. Ça veut dire qu'on a des clients qui ont des histoires à raconter, mais qui n'ont pas la patience d'écrire. Pas de problème, c'est une opportunité d'affaires. Pour une personne qui, elle, par contre, a de bonnes capacités de rédaction, qui va écouter les audios, par exemple, de ce que vous avez envie de dire et qui va le retranscrire, non seulement ce que vous avez dit, mais y donner la forme et le style d'une œuvre littéraire. La lecture, c'est essentiel. N'écrivez pas si vous ne lisez pas. N'écrivez pas si vous ne lisez pas. Parce que même dans votre style, vous allez vous inspirer également des précédentes lectures que vous aurez faites. Des fois dans vos domaines, des fois même dans des domaines différents. Mais c'est cette chose qui va, de façon inconsciente, affiner votre style de rédaction, la lecture. Donc si vous lisez, vous êtes capable d'écrire. Et si vous êtes capable d'écrire, vous êtes capable de produire du contenu pour des pages. Antidote agit à la fois comme un dictionnaire, mais comme une base de données terminologiques pour avoir, par exemple, que ce soit les synonymes, les contraires, le champ lexical, les co-occurrences. Ça s'emploie avec un nom ou un adjectif. Ça s'emploie dans quelles circonstances? Comment est-ce qu'on emploie le plus ce mot? Ça fait des statistiques. Ce mot, pour est utilisé la plupart du temps avec le. Ça va vous présenter afin que vous puissiez également savoir quelles sont les tournures que vous pouvez adopter dans la rédaction de vos différents romans. N'écrivez pas si vous ne lisez pas. Pourquoi? Parce que à notre, je ne vais pas dire à notre âge, parce que ce n'est même pas seulement une question d'âge, mais en ce moment de la vie où nous nous trouvons, on va difficilement s'asseoir encore, prendre des cours de français. Pourtant, notre langue, elle doit s'améliorer tous les jours. Ça va donc se faire comment? Au travers de la lecture. La lecture est un enseignant silencieux, mais efficace. Pour rédiger un roman, il faut vraiment beaucoup de motivation. Commencer 100 ans avant et se dire non, il est temps pour moi que mon livre sorte, que je fasse entendre ce que j'ai à dire. C'est de la détermination, de la motivation même après pour la publication. Lorsque vous rédigez un roman, vous n'êtes pas tenu de rédiger uniquement une histoire sur un fil. On peut avoir certainement l'histoire principale, le fil conducteur principal. Mais à côté, on peut avoir des petites personnes qui gravitent là, qui ont d'autres petites histoires autour. Quand on est sur le terrain et qu'on se rend compte qu'il y a un phénomène précis qui mérite qu'on s'attarde, on passe à l'étude quantitative. On lève des statistiques. Combien de personnes rencontrent ce problème? Quel type de personnes? C'est des hommes, c'est des femmes? Qu'est-ce qui favorise cela? On tombe dans le qualitatif. On interagit avec les personnes. Là, ce n'est plus juste des chiffres. C'est des données parce qu'on pose une question, on obtient une réponse. On fait des interviews avec des personnes, on obtient des réponses. Et à partir de cela, on peut dégager des conclusions qui vont nous amener à orienter maintenant les lecteurs vers une action. La dernière œuvre que j'ai pu produire, ça concerne une expérience que j'ai vécue et qu'à un moment, je me suis dit, il faut écrire, il faut rendre à la postérité ce que j'ai reçu. Jusqu'ici, ça va. C'est vrai que je n'ai pas encore assez de recul. Mais ce qu'on a fait jusqu'ici, je n'ai pas à me plaindre.
C'est vrai que je m'étais lancée dans l'écriture, mais un peu en autodidacte, sans réellement comprendre ce que c'était. J'assistais au masterclass justement pour avoir toutes les informations nécessaires sur l'écriture et j'ai été satisfaite. Alors, le masterclass en écriture, pour moi, il était exceptionnel. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire quelque chose. Et arrivé ici, non seulement j'ai eu à apprendre sur l'écriture, mais également sur la manière de promouvoir son livre et de se promouvoir soi-même. Avant le masterclass, j'écrivais déjà. La maison d'édition Senga fait un énorme travail. Tous ceux qui lisent apprécient, d'autres apportent leur pierre pour pouvoir améliorer ce que j'ai déjà eu à écrire. Bref, avec Senga, c'est toute une belle expérience.